Salut, c'est Rebecca. Aujourd'hui, j'aimerais répondre à une autre des questions qu'on m'a posées, qu'un de mes abonnés m'a posée. Et en fait, cette question, c'est de savoir est-ce qu'il faut commencer par créer tout un univers et ensuite créer une intrigue à l'intérieur de cet univers, ou est-ce qu'il faut commencer par l'intrigue et créer l'univers autour de cette intrigue? En gros, est-ce qu'on peut faire d'abord un travail complet sur l'univers? Et ensuite se dire, bon, bah voilà, quelle histoire est-ce que je vais créer? Ah, bah tiens, il y a ces éléments qui font que bah, ça pourrait être créateur d'histoire, je sais pas, plusieurs peuples qui sont opposés, bon, bah voilà, ça va faire un élément d'intrigue pour créer une histoire. Comment est-ce qu'il faut procéder? Par quoi est-ce qu'il faut commencer? Alors, la première chose que j'aimerais vous dire, c'est que bien entendu, bah, vous avez complètement le choix. Vous pouvez faire les deux. Vous pouvez d'abord créer un univers et vous pouvez ensuite y insérer des intrigues, ou vous avez une idée d'intrigue et ensuite créer un univers autour. Ce qui est vraiment important, c'est qu'il y ait les deux dans votre histoire. Parce que s'il y a une intrigue sans univers, bon, bah, votre lecteur, il n'y aura pas de profondeur dans votre roman et votre lecteur va être beaucoup moins immergé dans votre histoire. S'il y a une intrigue, s'il y a un univers mais qu'il n'y a pas d'intrigue, alors ça c'est aussi embêtant. Pendant très longtemps, ça a été le cas quand j'ai commencé à écrire mes romans, mes premiers romans de fantasy quand j'avais 12 ans, quelque chose comme ça, 12-15 ans. En fait, je me suis rendu compte après coup que j'écrivais énormément l'univers dans mes histoires, mais il n'y avait pas vraiment d'intrigue palpitante, il n'y avait pas d'éléments qui faisait avancer cette histoire. Et c'est quelque chose que je retrouve aussi souvent quand ben, je coach des auteurs, et je retrouve souvent aussi cette absence de véritable intrigue dans les histoires. Donc voilà, il faut faire attention qu'il y ait les deux, mais vous pouvez commencer par l'un ou par l'autre. Par contre, c'est vrai que si vous commencez par un univers, par créer un univers, le risque que vous allez rencontrer, c'est que ça peut être très très addictif, ça peut être très très chronophage aussi voilà, de créer un univers, parce qu'il y a tellement tellement de choses à faire. C'est un travail vraiment passionnant que j'aime énormément faire, mais ça peut vous prendre des années et vous pouvez ne jamais écrire votre histoire en fait, parce que vous serez toujours en train de créer votre univers. D'ailleurs, c'est vrai à l'inverse, si vous créez d'abord votre intrigue et puis que vous vous dites, bon, avant de commencer à rédiger cette intrigue, je vais m'occuper de l'univers, de faire des recherches sur l'univers, de l'approfondir, etc. Là aussi, vous pouvez avoir un risque de ne jamais commencer la rédaction de votre roman, parce que vous aurez toujours quelque chose à ajouter pour l'univers de votre roman, et que c'est bon, voilà, c'est aussi un travail passionnant. Donc il faut vraiment que vous sachiez ce que vous voulez. Est-ce que vous voulez passer des années et des années sur votre univers, ce qui peut être très bien, hein, ça, voilà, ou est-ce que vous avez véritablement envie d'écrire une histoire? À ce moment-là, ben, il faut se donner quelques règles pour la création de votre univers, comme par exemple se dire, ben, je vais commencer par un tableau qui sera pas terminé, mais c'est pas grave, et à tel moment précis, à telle date précise, peu importe où j'en suis de la création de l'univers, je commence la création de mon histoire, je commence la rédaction de cette histoire. Voilà. Donnez-vous aussi des petits objectifs précis quand vous faites vos recherches documentaires pour que ça avance. Dites-vous, ben tiens, aujourd'hui, je m'occupe de tel peuple dans tel domaine, je sais pas, par exemple, dans le domaine de la nourriture, voilà, qu'est-ce qu'ils mangent, comment est-ce que ça se passe les repas, comment ça se passe s'il y a des invités, comment ça se passe si, enfin, quelles sont les coutumes par rapport aux repas qui vont choquer d'autres peuples, etc. Des choses comme ça. J'ai fait plusieurs formations à ce sujet-là sur la création d'univers avec plein de questions qui aident vraiment pour créer ces peuples et tout ça. Il y a vraiment plein de choses à voir. Bref, en tout cas, je vous invite vraiment à vous donner des petits objectifs précis quand vous créez votre univers pour ne pas y passer des heures et des heures. Et puis ensuite, une fois que votre roman est rédigé, une fois que vous le corrigez, moi je procède toujours comme ça, hein. Je commence par créer l'univers, ensuite enfin non, je commence à créer l'univers en même temps que l'intrigue. J'arrive pas à détacher les deux, moi. C'est vraiment deux choses qui sont très très liées, et donc en fait, le travail de l'un nourrit l'autre. Donc je vous conseille aussi de ne pas cloisonner, même si vous commencez par l'un ou par l'autre, de ne pas cloisonner les choses dans votre esprit, de vous laisser la liberté de construire les deux ensemble.
au fur et à mesure, parce que voilà, c'est l'intrigue va nourrir votre univers et l'univers va nourrir votre intrigue. Voilà, c'est normal et c'est très très bien comme ça. Donc voilà, donnez-vous des petits objectifs précis, soyez certains à un moment que vous vous mettez à la rédaction de votre roman. Et puis une fois que vous avez, voilà, c'était ça que je disais juste avant, une fois que vous avez terminé la rédaction de votre roman, eh bien vous pouvez approfondir encore votre univers, vous dire tiens, dans tel passage, ben, j'ai eu besoin par exemple de ben, justement de ces coutumes par rapport au repas et je les avais pas vraiment, donc je vais approfondir ce point-là pour pouvoir donner. Vous n'allez pas tout dire dans votre roman, vous n'allez pas décrire en long et en large toutes les coutumes, mais simplement un petit détail comme ça, placé au bon endroit, c'est ça qui va donner du réalisme à votre histoire et qui va permettre à votre lecteur d'être complètement immergé dans cette histoire-là. Voilà, on pourrait en parler encore longtemps, mais je pense que je vous ai donné les principaux conseils pour pouvoir avancer. Donc, vous commencez par l'un ou par l'autre, mais ne cloisonnez pas les choses dans votre esprit parce que l'un et l'autre se nourrissent. L'un se nourrit de l'autre. Et puis, fixez-vous des petits objectifs précis. Donnez-vous une date butoir à laquelle vous allez commencer la rédaction de votre roman, si c'est vraiment ça que vous voulez, écrire un roman. Et puis, travaillez une fois la rédaction de votre roman terminée. Revenez sur l'univers. Et c'est comme ça que vous allez arriver à écrire votre histoire et en faire une histoire passionnante pour votre lecteur. Alors, pour aller plus loin, vous pouvez télécharger gratuitement ma formation sur les scènes. Alors, c'est une formation où vous aurez différents points pour construire des scènes palpitantes. Voilà, c'est, vous verrez dans cette formation, dans les scènes, il y a aussi des éléments clés à insérer. Et un de ces éléments clés, ça peut être des renseignements justement sur l'univers de votre roman. Et en fait, dans cette formation, vous aurez tous ces éléments clés indispensables pour que vos scènes soient vraiment utiles pour votre roman. Et si vous suivez ces schémas-là, enfin, que vous puisez en tout cas dans ces éléments indispensables pour construire vos scènes, bah vous serez certain que vous n'allez pas simplement bavarder à propos de votre univers dans votre histoire et ennuyer votre lecteur, mais que vous aurez aussi des éléments pour le maintenir en haleine et l'amener jusqu'au point final de votre livre. Voilà quelques conseils par rapport à cette question qu'on m'a posée. Et puis donc téléchargez la formation si vous ne l'avez pas encore en cliquant sur le lien qui s'affiche en bas de cette vidéo. Et moi je vous dis à bientôt.